Marion, qu'est-ce que tu as fait hier? Salut Claudia! Hier, j'ai sorti les poubelles et après, je suis sortie avec mes amis. Comment ça? Tu as sorti les poubelles et tu es sortie avec tes amis? Bonjour et bienvenue sur Claudia en Francia. Si vous étudiez le français, très probablement, vous connaissez les verbes de la maison. Vous savez, les verbes qui se conjuguent avec être au passé composé. Ces verbes-là. Mais, saviez-vous que certains de ces verbes se conjuguent avec les deux auxiliaires? En effet, les verbes sortir, monter, descendre, entrer, retourner et passer peuvent se conjuguer avec être et avec avoir aussi. Comment savoir lequel des deux choisir? C'est très simple. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour devenir des experts du passé composé. C'est parti! Regardez les exemples. Je suis sortie de la maison. J'ai sorti les valises de la voiture. Là, on peut se poser la question. J'ai sorti quoi? Les valises. Je suis montée dans le train. J'ai monté les escaliers de la gare. J'ai monté quoi? Les escaliers. Ma mère est passée chez ma tante. Ma mère a passé ton message à ma sœur. Ma mère a passé quoi à ma sœur? Ton message. Je suis descendue voir ce qui s'est passé. J'ai descendu la poubelle. J'ai descendu quoi? La poubelle. Maintenant à vous. Maintenant que vous avez compris la règle, complétez les phrases. Eh oui, il est retourné en Espagne. Il a retourné les crêpes. Il a retourné quoi? Les crêpes. Je vous invite à télécharger le PDF pour pratiquer ce que vous venez d'apprendre. En résumé, si vous pouvez répondre à la question « quoi ?», vous devez utiliser l'auxiliaire « avoir ». Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.